Hop là, on est où? On est là. Et QQ. Et du coup, hop, on va tout de suite lancer le jeu qui pop directement. Gloops. Voilà. Un jeu avec plein de bruits bizarres. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le catalogue indé, non pas sur la jam, comme j'ai expliqué sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Discord et Twitter. Il n'y a pas assez de jeux pour que je puisse faire un live complet dessus cette semaine. Donc je vais garder les quelques qui ont été faits cette semaine pour les compléter avec ceux de la semaine dernière, en espérant pouvoir vous proposer le dernier live de la jam dimanche prochain. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Aiden Folk. Je me fasse rire, qui est un jeu sorti le 15 février 2017, développé par Adian de Jong et Sylvain, putain, Tegroeg, et édité par Adrien Lejong, et c'est un jeu d'objets cachés, puzzlé et 2D, bruitage, what the fuck. Garland l'explorateur est fasciné par la langue de ce reptile. Alors, je suppute qu'il faut chercher tout ce qu'il y a là-dessus. Donc, Jacqueline est là. Oh, attendez, on va juste baisser deux secondes parce que ça y est, je viens de perdre un tympan. Oh la vache, très bien. Sauf que le décor va s'agrandir et qu'au début ça va être assez facile et qu'après ça va être what the fuck. Ah, elle disparaît pas, Jacqueline, très bien. Donc Jacqueline est là, après il faut trouver... Putain, mais des bruits quoi, laisse tomber. Un singe qui fait dodo. Alors, faut un singe qui fait dodo, ça, et une banane. Vraiment, faut trouver un truc aussi petit que ça. Ok, on vient de commencer, c'est le premier niveau, je trouve ça déjà chaud du cul. Une banane, mais c'est ce qu'elle a dans la main, la banane. C'est totalement du bruitage fait maison, par contre, c'est pas possible. Hein. Mais où est-ce qu'il est, le... Oh, secours! Ah, d'accord. Mais t'as pas de... Ok. Et bonsoir, nounours. Comment allez-vous? Attends, je le trouve pas, le... Allez. Eh, c'est la première scène. Si on commence déjà à en chier, ça va être compliqué. Ah! Ah, on peut cliquer sur des trucs pour les débloquer. D'accord, très bien. Kiki le singe. Bonjour, Kiki le singe. Et Jacqueline, on peut pas lui faire... Ah, d'accord. Ok. Bah écoute, ça va très bien. Je commence déjà à galérer. Donc si on classe ça, ça peut peut-être faire un... Un pâté de liane. Faut pas tirer dessus pour... Oh, c'est lui, c'est le serpent. Petit couillon, va. Ce qu'il nous faut en pâté de liane. Comment on le fait, le pâté de... tu l'entends, le mec qui est derrière son PC pour faire des... Et il est là, le gros serpent, très bien. Kling. Entrer dans la jungle. Très... Oh putain. Ok, pour cet homme en détresse, l'assise inconfortable est le dernier de ses soucis. Bah, parce qu'il est totalement là. Bah oui. Ah, moi je pensais qu'on allait progressivement en fait. Au secours. Elle est là, la Jacqueline qui dort. Ah oui, c'est ça, le mec, il s'est totalement tapé un délire hein, pour faire le... Tout est fait à la bouche, hein, c'est sûr. Oh, la vache. Oh. Ah ouais. Ok, très bien. Là aussi, il y a des trucs à faire bouger, c'est pas possible. Faut Micheline et sa guitare.
Elles sont toutes. Le mec, il ronronne. Ah non, il ronfle. Ah, le panda. Ah putain, je mets un 500 sur 10 pour le bruitage de ce jeu. J'adore. Alors, faut bouger les fugères. Il y a peut-être quelqu'un qu'on cherche de cacher derrière. Elle est là, elle. Oh, un serpent. Ouais, c'est bien fait, mais je pense que ça va me filer mal à la tête d'être obligée de... Ah, mais on peut zoomer, d'accord. Peut-être pas autant, du coup, mais... J'aimerais Jacqueline et sa guitare. Ça prend, on va aller au pays des singes pour le reste, mais... Ah, on n'est pas obligé de tout trouver, d'accord. Il nous en faut encore deux là-dessus. Non, mais sérieux, un petit poussin et ça, tu trouves ça où? À quel moment c'est possible de trouver ça? Là-dedans, t'as vu les détails qu'il y a dans ce jeu? Au secours. Et QQ Arkham, comment va? Bienvenue sur le jeu de Jean-Michel Bruitage. Là, il y a quelqu'un, on l'a vu. C'est pas lui. Ah, on peut écarter les branches. Oh putain. Ce bruitage m'a effrayé. Ok, donc faut trouver un... Des gens. Ah ouais, non mais laisse tomber. Il est énorme. Jean-Michel Bruitage est énorme. Donc il faut qu'on trouve soit un mec avec un casque, soit un singe qui stripote la banane. On va aller voir les singes, ils sont là-haut. Allez là ! Allez, t'es chez les singes ! Je l'ai cherché chez les humans. C'est pas lui qui stripote la banane. Elle est dans l'eau de main. Lui, singe volant, très bien. Attends, on va rester là un peu. On a bien trouvé le mec avec son masque aussi. On va continuer de fouiller. C'est pas malentendu. Lui, non. Derrière les fougères, des fois, il y en a qui sont cachés. Non, mais cet homme est un génie, quoi. Peut-être qu'il n'est pas chez les singes, en fait, le singe qui stripote la banane. L'autre, la Jacqueline, elle a pas des cheveux comme les autres. Avec son brushing. C'est une Jacqueline brushingée, on devrait pouvoir la reconnaître facilement. Et l'homme avec son masque aussi. Non, c'est pas punitif, ça te fait juste... En fonction de ce que tu tripotes, ça te fait juste des petits bruits. Ou s'il n'y a rien, ça te fait ça. T'as plein de petits bruits de bouche. Même pas un petit coup de fouet. Non. Il n'y a pas besoin, là. Allez, Lycos, va chercher. Coucou, info. Ah, le petit piou. Ah, c'était un petit poulet. Mâche tio poulet, avec cette tête sur le côté. Il m'en faut un, mais une tiche qui est de l'autre côté. Voilà la scène d'après. En fonction de ce que tu tripotes, ça te fait un petit bruit.
Bah non, mais. Oui, regarde. Fonction de ce que tu tripotes, ça fait des petits bruits. C'est pas. C'est pas moi. Aider cette personne à traverser. Ok, comment on l'aide à traverser? Ah, comme ça? Là, il manque un truc. Comment? Il est bloqué? Ah merde, pardon. Tiki tiki tiki, comment on le fait passer ici? Je préviens déjà, ça va pas durer 2 heures. Hein. Ça va me donner mal au crâne, c'est sûr. Même si je trouve ça très amusant, ça va obliger, ça va me donner mal à la tête. Tion! On va rester bloqué ici, par contre. Ah, d'accord, il peut passer. Faut juste. Ok, c'est un chemin en fait. Très bien. Ça me donne envie de faire des vidéos YouTube avec le bruitage entier. Attends, j'avoue, t'as de quoi faire. Là, il passe. Coucou, Schnafou. Bah. Bon, là, il passe. Ça passe. Oh, mais le mec, il s'est tapé une phase. Mais c'est... Je trouve ça génial. Oula, d'accord. Alors. Hello. Hello. C'est quoi ça? Une brosse à cheveux dans le sac? Non, on peut pas. Ok, on a un os. Ah, très bien. Une brosse à cheveux. Kling. Oh. Oh. What the fuck? Tout ça très bien. Au secours. Ah ouais, non mais là c'est plus lico, s'il me faut. Attends, je vais mastiquer le carreau là, histoire de me préparer. Il en faut 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, il y en a que 2 que je peux pas trouver. Oh là là, mais il y a trop de Jacqueline qui sont en train de sauter, là. Migraine, une colline. Non, mais attends. C'est... c'est la taille de la map. Attends, il y a des petites croix. Là-bas, il y a un troupeau de Jacqueline. J'essaye de regarder un peu. Hein, D'abord, je me nettoie la lunette parce que je vais en avoir besoin, là. Si je vois flou, ça va pas être possible. Ne quittez pas. Alors, on a une espèce d'écolière. Une nana qui essaye d'attraper des pirpillons. Un mec avec une hache qui fait... Une nana qui est allongée. Donc, maybe dans une tente. Un mec avec une coupe afro assis. Ah, allez. C'est parti. Donc ça, on peut creuser, on a dit. On va zoomer déjà, parce qu'objectivement, on va rien voir. Ok, ici, il n'y a rien.
Un mec avec un poisson, on s'en fout. Voilà. On va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. On va totalement y arriver. Et dites-moi si vous voyez un truc, hein. Enfin, si vous voyez un truc intéressant, parce que techniquement, vous envoyez des trucs. Je crois que le mec essaie de communiquer avec nous totalement. Ok, donc là, c'est pas des jambobies qui nous intéressent. Ici, il y a quelque chose. Elle. Ah d'accord, je crois qu'elle est décédée. Y a pas un petit lapin qui peut sortir des... C'est un lapin, ça ? Pas du tout. Y a pas un lapin qui peut sortir des bûches, là ? Non. Ok, bon, on revient là. Avec une hache. Oh, et donc autre chose. Là, y a rien. Putain, mais c'est une secte ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que tous ces gens chelous ? Oh putain, coucou Didine, à gauche près de la ruche. Où ? Qui ? Ah, l'écolière ! Yes ! Bien vu ! Ah, c'est un apiculteur, très bien. GG vous. Ah, ce bruitage de l'extrême. Ah, j'adore. J'adore. Alors... Je vous les ai mis là, comme ça vous voyez mieux. Si à un moment ma grosse tête gêne, je bougerai bien entendu ma grosse tête. Il y a un truc chelou, pourquoi il y a un truc qui fait... Ah. C'est qui fait... Ah. Oh, elle est là, la chauve-souris. Bim. Ah, c'est un monstre, mot le monstre. Un trèfle. Cette truffe, une banane, une truffe, Raphaël la tortue et une araignée, mais sérieusement quoi. Allez, on hop là, on se met là et on redescend. Mais voyons, tu n'as pas une grosse tête, c'est notre grand qui n'est pas assez grand. Toujours pas. Ah, pas du tout. Allez, on va pouvoir lever des temples là. Peut-être qu'il va y avoir des trucs. C'est quoi ? Pas du tout. Coucou Pifata ! Comment vas-tu ? Ah, je vous jure, ce mec est un génie, hein. C'est... Alors là, mais... Faudrait que tu bouges, Jacqueline. Je crois qu'il y avait un truc derrière toi. C'est pas Mimi l'araignée, là ? Pas du tout, c'est un point. Oh non, on avait éteint le feu. Bah écoute, ça va très bien. Ça va très très bien. Encore sur un jeu bien barré. Et je trouve ça cool. Allez, on descend. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les... Ok, il n'y a personne dans les toilettes. Zip, 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 allez. Ah, il est bon, hein. Zip, zip.
beatbox au mec. Mais le mec est génial, hein. Oui. Ah, faut creuser là. Oui, une truffe. Yes. Quelle ambiance. T'as vu? Oh, c'était un diams. On peut pas le prendre. Mais tu sens que c'est la teuf, hein. Et bah, fais tout là. Grosse ambiance, hein. On descend encore un peu, on se barre un peu de la teuf. Un serpent, on n'en a pas besoin. Ils font même la teuf sous la douche, les gars. Wouh, une douche. Wouah. Putain. Oui. Ah, c'est une bestiole, d'accord. J'adore le bruit des crocos. On dirait ton grand-père en gériatrie, quoi. Ah putain. OMG. On s'en fiche. On s'en fiche. Un pêcheur. On n'a pas besoin d'un pêcheur. Oh, la tronçonneuse. Allez. Putain, mais il n'y avait personne de tout ça. Ça fait un moment qu'on a trouvé personne, là. Pas besoin de pêcheur. Une pelle. Qu'est-ce que fait une pelle dans les chiottes? Ah, on revient sur la teuf, là. Une tortue. Ah non, elle est sur le dos, notre tortue. C'est une tronçonneuse, ça. On dirait un vieil aspi. J'avoue. Mais moi, j'aime beaucoup Pifata, les jeux un peu... Ça me fait beaucoup rire. Par contre, où sont nos gens Bobby, quoi? Ah, on est revenu là, on est déjà venu par là. Non, c'est pas elle. C'est pas elle, c'est un mec qui a les cheveux un peu. Lui! Allez! J'ai reconnu sa coupe là. Une Pokéball? Why? Tu fais des point and click? J'en ai fait! J'en fais pas beaucoup parce que c'est pas les jeux que je préfère. Généralement, je trouve ça beaucoup trop barré, ça me fait galérer, j'arrive pas. Il y en a un que j'ai adoré, c'est Mechanica. Si vous l'avez pas fait, achetez-le, il coûte vraiment pas cher. Et franchement, je me suis jamais tapé autant de barres de rire sur un jeu que sur celui-là. Il est génial. Je suis pas une experte en point and click, en tout cas de tous ceux que j'ai testés, mais il est absolument génial. Bah, c'est un espèce de Où est Charlie, Pifata, en version un peu hardcore, parce que quand tu regardes la map, enfin voilà. Mais tout. Non. Mais ça me stresse, là, les deux. Là. On va peut-être être dans les bois. Ah, il est là, le bûcheron. Allez, flec le bûcheron. Bim, encore 5. On va y arriver. Et c'est quoi le pipipipipip? Tu connais Grim Fandar? Je l'ai aussi dans les jeux à test, là, pour le kata. C'est un jeu qu'on fera aussi sur un catalogue. Total Main. Oh, le lapin, c'est pas celui-là. Oh putain, abusé les gars. Il me faut un lapin noir. On peut pas sortir de là. Sur Windows 98. Putain, ah oui, jeu très récent du coup. Non, allez, on passe là.
Là, lui. Bling. Yes, Beatty la noire rose. Allez. Alors, il nous manque quoi? Du Jacqueline qui dort, une banane, une Jacqueline qui dort, une autre avec son petit... Bah, elle est là. Hello. Elle est totalement là. Hello. Ah. Le lave-vaisselle est fini. Ah. Non, c'est pas elle. C'est pas... La version remasterisée doit être pas mal. Je sais pas si c'est la remaster que j'ai. Enfin, je pense du coup, vu que c'est celle sur PC, si c'est un vieux jeu, mais. Allez, il nous manque pas grand chose. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a combien de Jacqueline? Il y en a à chaque jeu. Ah, mais les Jacqueline sont universelles. Elles sont omniprésentes, omnipotentes. Elles sont partout. Mimi. Meilleur bruitage de poète poète. Mimi. Oh, c'est génial, il a dû passer un temps de ouf, mine de rien, faire les bruitages sur tous les objets. Hein. C'est une invasion de Jacqueline, elles sont partout. On arrive au bout de map là ? Non. Ah. Arkham a bien aimé la tronçonneuse. Je vais un petit coup de tronçonneuse. Ah ouais, la voiture aussi quoi. Ok. Merde, on arrive en bout de map. Oula, j'ai dû aller de côté là. Merde, il nous en manque 3. C'est un problème. C'est un problème, les amis. Nous avons un little souci. Non, mais elle est où T'as trouvé la banane, Didine? Merde, elle était vers où, la banane? Alors, attends, si tu me dis ça, c'est qu'il faut que je redescende un peu. Elle est au... Ah, là-dedans? Allez! Didine, tu es un génie. Il nous en manque 2. Merci, Titi. Mais, sérieux, mais il me faut une tortue à l'envers, quoi. C'est flippant quand leur tête change de côté, par contre. Ça devient tout plat pendant 2 secondes. Là. Merdoum, cacadoum. Il nous faut 2 jambombies allongés. C'est obligé, il y en a là, des jambombies allongés. Il doit forcément y en avoir là, ils sont tous là. Non. Ah bah voilà. Jessie la classe, très bien. Il nous manque. Yvan a profité d'un trajet en voiture de façon clandestine. Il n'a pas de plan pour sortir d'ici. Voyage en voiture. Donc est-ce qu'il serait au niveau des bagnoles? Il n'y a pas un connard qui est allongé en plein milieu des voitures? Pas du tout. Ça donne pas d'indication. La tortue sèche au soleil. Cette araignée aime particulièrement les insectes fongicoles. Alors, Est-ce que ce serait des petites... ça, les fongicoles? Putain, je connais pas ce mot. Des insectes fongicoles. Je crois que c'est le seul endroit où on a vu des insectes, donc je pense que ça doit être là, mais... Est-ce qu'il y aurait une araignée ici? Dans une valise sur le toit d'une voiture, champignons?
qui cultive. Quoi ? Dans une valise sur le toit d'une voiture ? Tu crois qu'il y a un mec qui est sur une valise ? On peut pas ouvrir les coffres ? Non. Y'a pas. Fongicole, c'est des champignons. Est-ce qu'on a vu des champignons quelque part ? Parce que là-bas, c'est pique-nique. Là-bas, c'est du bois. Là-bas, c'est des abeilles. Là, ils font de la pêche. Y a rien avec des champipis ici. Une tortue qui crame au soleil, bah... Ouais. En vrai, c'est lui qu'il faudrait choper. Il nous en manque qu'un. Objectivement, ce serait le plus facile à choper, celui-là. Mais bien sûr qu'elle est immense, la map. C'est pour ça que c'est galère. Bon, on va inspecter toutes les personnes qui sont couchées. À tous les coups, il est caché, ce con. Non... Un doudou, on s'en fout. Truc à champignons. Parce que le truc, c'est qu'elle est tellement petite, l'araignée, qu'elle peut totalement être plantée derrière des plantounettes. Hein. Ah là, la toile d'araignée, yes, yes. Cultivons le champ. Ah, un fermier, yeah. Oui, cling, ce tracteur de l'enfer. Fourche, vaisse, paille. Si tu arroses bien tes plantations et leur donnes une attention particulière, tu verras peut-être une fleur rare. Ça va être là, la fleur rare. Bim. Ali. Cling. Plus d'agriculture. Ah, ça va. Elle est moins grande. Ça va. Il nous en faut 5. Allez. Elle est moins grande, celle-là. Ça va. Bon, j'ai l'impression. Alors, nous recherchons. Un antique esprit natif américain a soudainement pris possession d'Erwan, le garde forestier. Forestier. Il est temps de faire rentrer dans la tête de Newton de la physique qui porte ses fruits. Oh, oui, forcément avec des pommiers. D'après Harry, du bétail invisible est toujours du bétail. Très bien. Anguille n'est pas dans une botte de foin. Aiguille n'est pas dans une botte de foin, mais elle sait comment on roule. Ce poisson pourri repousse de potentiels clients. Barney, le faux taureau, n'est pas très impressionné par cet enclos. Peut-être parce qu'il est faux. N'a-t-on aucune émotion. Très bien. Un épouvantail en haut de forme et Chuck le poulet. Poc, poc. Et bim. Et elle, Newton. Comment c'était totalement... Alors... Donc plus que 4. Un chercheur, une espèce de gna gna là. Un mec en salopette avec une hache, là.
Bling. Plus que deux. Ouais, fais pas de bruit, celle-là, c'est nul. Je suis déçue. Je me sens trahie par Jean-Michel Bruitage. Oh, trop de bruit. Non, c'est pas elle non plus. Fausse vachette là. Oh. C'est totalement elle. Les taches sont toutes pareilles. Bon, bah, c'est elle. Ok. Parnez le photoro, très bien. Alright, it's okay. Elle est assise, la Jacqueline. Le chercheur, il est là. Bling. Et puis l'épouvantail, il devrait être quelque part par là, logiquement. Qu'est-ce que c'est que ça? Les pulls? D'accord. Oh merde. Oh, la dépression des boutons, quoi. Tu m'embêtes. Mais il est pas là, le... Je m'attrompir. Ça serait paru logique, Ed. Qu'est-ce que cela? Un petit épouvantail. Avec son chapeau de forme. Ou est-ce que ça y est, je commence déjà à loucher? Ok. Oh la vache. On peut boucher les grands aussi. Ça cache des gens, mais ça cache pas la personne qu'on cherche. Ah si, elle est là. Et bim. Le désert. Pardon ? What the fuck? What the fuck? Je peux même pas scroller assez pour dézoomer. Au secours. Oh l'angoisse. Ok. Faut en trouver 9. 9 trucs. Perdu dans le désert. Parfait. Oh là là, je vais même pas aller droit. Bon. Il y a des gens, il y a des plantes, il y a des trucs. D'accord. Il y a quelqu'un. Un house. Très bien. Oh.
réponse, c'est soit des gens, soit des trucs chelous. Il y a juste une plante où éventuellement ça pourrait vraiment être là. Oh la vache. Z de ma paix beaucoup trop grande. On reviendra. Ok. Un camp avec des trucs. Ah mais les mecs ils se baladent. Eh hey, viens là toi. Fabien. Putain on a trouvé quelque chose. Wow. Ok, là il y a des trucs. Ah, c'est encore la teuf. Non ? Un peu horrible cette map. Un poquito. Il va y avoir une paire de lunettes ou une bouteille ou un truc quoi. C'est des gens avec des chapeaux chelous. Un homme de Cro-Magnon. Chapeau chelou ou homme de Cro-Magnon. On repart dans le désert. On va les laisser faire la teuf. T'es quoi toi? Je sais pas. Il y a eu un camp. Ah non, c'était dans le niveau d'avant, l'arrête de poisson. Oh la vache, ça me fait loucher. Ah là, le petit ver, monsieur ver. Ah mais lui aussi. Mais mec, t'es là, c'est pas lui. Un scorpion? Non. C'est pas celui-là. Quoi? Oh, le gars, il se balade sur les maps et tout, quoi! Putain, mais vous avez vu comment elle est longue, la map? Oh non, c'est abusé! Une jacquine allongée? Ah non, c'est un indien allongé. Note Jacqueline. Un ballon à scorpion. Gnon, gnon, gnon. Qu'est-ce qu'il fait perdu là tout seul? On sait pas. On s'en fout. Désolé, monsieur. Oh, au secours. Oup. Il dit oup. Oup. Sorry. Il n'y a rien d'intéressant ici. Ils sont fait attaquer par des indiens. Il y a des petits cure-dents.
Goméné. Non, je ne peux rien faire. Tu ne m'intéresses pas, je ne peux même pas te cliquer dessus. Ah, voilà, j'allais dire, il y a bien un chef indien. Il a dû voir que le doublage de la tronçonneuse, c'était pas ça, et il a arrêté. Non, c'est encore scorpion normal, on s'en fiche. Ah. Alors, y a-t-il quelqu'un d'intéressant ici? Ah, mais ils sont tous en galère en fait. On se casse. Non. Non. Putain, j'ai l'impression de jouer à DBD, quoi. Je suis collée à l'écran, c'est hyper chiant. Je le sais, mais je continue quand même. Non. C'est pas lui non plus. Ah, salut vous. Putain, mais les mecs, ils font la fiesta partout, quoi. Si c'est ce fiesta. Arrête de poisson, non. C'est un petit scorpion bien. Ça, on a vu. Ah, enfin, les voitures solitaires. Ça, on a vu. Toujours pas. Oui, c'est vrai qu'on avait un chaudron avec des trucs dedans aussi. J'ai pas fait gaffe quand on a regardé dans les villes. Une paire de lunettes. Oh là là, cet œil de lynx. Il va où lui? Ok. Ignorons, pas de nounos. Non. Faut pas faire du bruit comme ça, monsieur. C'est pas grave. Allez. Oh là là, on est tellement loin encore. Oh, c'est cool. Je continue à appuyer dessus parce qu'il nous faut un scorpion blanc. Enfin, je crois que c'est un scorpion. Je sais même pas. Un truc blanc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, d'accord. Il doit être là-dedans, le truc. On est en train d'aider le mec, là. Je sens qu'il va être très content qu'on soit passé par là. Très bien. Ah, je sais pas, mon truc est pas là, apparemment. Peut-être qu'il faut appuyer encore. Comme pour le lapin tout à l'heure.
Cet homme est un homme heureux. Voilà, bisous mon pote. Démerde-toi. Un coffre au trésor. Avec un truc dedans. Non. Encore ? Mip mip. Ah, Suzanne, ouvre-toi. Pourquoi ils ouvrent pas le coffre? Allez! Il y a peut-être quelque chose de super bien dedans. Il nous faudra encore 3 trucs super bien. Et après, on irait bien. Jacqueline, non? Enfin, Jacqueline ou Jacqueline? Ah non, ils vont pas recommencer avec le... Ah ah. Non. Je sais pas ce que c'est censé représenter ce truc-là. J'ai pas du tout regardé pour la bouteille par contre. Le mec il pèse dans le plus grand des calmes. Allez. C'est quoi? On sait pas. Que sont les gens? Ah! Bling. Allez, le cactus au sombrero aussi! Voilà, qu'est-ce que c'est? Un truc! Allez, plus que 2 trucs et on se barre! Perdu dans le désert! Il y a des trucs que je clique dessus, pas parce que je crois qu'on peut le ramasser, c'est juste que je ne sais pas ce que c'est. Ça me turlupinaille. Encore une voiture. Mimi. Et l'autre, il continue. Youriou. Ah, une bouteille. Allez. Oui, just one. More one. On va y arriver, je le sens. Je le sens avec mon ébouché. Ah mais carrément un camp et tout. Salut les gars. Un panier. Non. Ah! Quoi? Quoi? Ah! Quelle plainte avez-vous encore à formuler, monsieur? Je suis déjà passé là, non? Putain. Ça va aller. Peut-être pas en fait. Coucou des villes. Oui, j'ai le nez bouché. J'arrête pas de me moucher. Je vais un peu plus vite là, mais... En vrai, je cherche lui ou lui, elle. Je suis pas sûre que j'arriverai à la trouver parce qu'elle est encore trop commune. Je ne sais pas. Mimi. Elle est cassée la voiture. Après, si je tombe sur le truc... Tu
as fait de beaux dessins, Kaoriste, après-midi. Et Rikukudin. T'as vu comme ils sont beaux, mes dessins? En plus, ils font du bruit. Oh, ils ont mis SOS et tout. C'est mignon. Et il est là. Oui. Allez, maison de Mathias. Un truc petit. Ouais. Merci. Calme-toi. Alors. Elle est derrière la Jacqueline, je la vois. Dans la chapelle. Ajuste l'antenne. Bah, je vois, il est là. Ah, d'accord. Ah, bah. Un os de personne âgée? C'est bizarre. Comment je fais pour le choper, lui? D'accord. Ah bah comme ça, très bien. La banlieue. Ah ouais, plus petit, mais paye des détails. Très bien. On a 12 trucs à chercher. Je vais totalement... Voilà. Mettre en tout petit. Si vous voulez essayer de suivre. Histoire de m'aider. Je suis sur le 12. Ouais, c'est ça. Vous voyez tout, là. Je peux même mettre comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc... Il y a beaucoup trop de trucs à regarder, là. Oh, c'est horrible. Je sais absolument pas quoi regarder. C'est qu'un mec qui... Une lettre, un truc, c'est un petit point, je sais même pas ce que c'est. Et des gens. Ok. Non, pas de mec en salopette. Ah, Van le nageur, d'accord. Wow, c'était vraiment du pifomètre pour le coup. Y a pas une plongeuse, non. Non, non, après c'est des gens assis ou des gens qui wigga wigga. Très bien. Shlak. Il y en a avec une grande robe? Non. C'est... Je commence définitivement à avoir les yeux qui disent merde là. Ça va, c'est compliqué. Et avec des kiki. Assis avec des kiki? Non. Toi? Pas du tout. Ah, on peut ouvrir, d'accord, ouvrir, très bien. Oh là 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 là, c'est chaud du cul. Il va falloir faire plusieurs tours. Il faut essayer d'éliminer un max là, mais... Ouais, je t'ai vu, Charlie. Ouais, si tu veux, oui. Avec une cravate, il a aussi un petit chapeau noir.
Cravate et chapeau noir. Il n'y a pas des trucs là-dedans, Fursal? Oh, ce cul! Ah, c'est le truc de la poste. Ah d'accord, une plante, pareil, un clic totalement maîtrisé. Il a pas de chapeau, lui. Du coup, c'est pas lui que je cherche. Le pauvre errant grand avec ses sacs de billets, lui. Je pense qu'on arrêtera après ce niveau parce que j'ai les yeux qui saignent. C'est chiant. Y a rien sur celle-là. On va pouvoir pousser le visu jusque-là quand même. Est-ce qu'on est monté? Non. Je suis sûre que j'en ai croisé un million en plus hein, de ceux qu'on cherche. Mais là, il y a trop de détails. Trop de détails, tue le détail. Trop de détails et trop de gens à chercher. Enfin, de trucs à chercher parce que c'est même pas que des gens. Ah, nom de Dieu! Ah, c'est pas lui? Merde. Ah putain, la foufourche. Encore un clic totalement prémédité. Non, le lieu. Ah, la cravate et le chapeau. Putain, merde, c'est pas lui. Fais chier. J'ai cru. J'ai cru. J'avais de l'espoir. Ouah, c'est quoi tous ces jambobilles? Allez, dansez! What? Ça ne m'aide absolument pas. Les doigts, mine de rien, en bruitage, hein. C'est plutôt cool. Huh?
Ça me rend dingue, j'ai juste envie de cliquer absolument partout. Mais putain, c'est totalement lui, là. Mais c'est toi, là. Là. Toi, t'as mis chemin d'entendre son avenir. T'entends ton avenir au food truck, toi. Si tu veux, y a pas de problème, mon gars. Lis ton avenir dans le bar de KFC. Je suis pas là pour juger. Allez, Bobby, merci, Bobby. C'est un bon gars. Combien ? 7. Oh la vache, j'ai tellement rien trouvé, ma vie est nulle. On va faire la map à la recherche de deux persos max. Hein. On va chercher Assis, Rayure, Casquette. Assis, Chapeau, Étiquette. Je sais pas comment faire autrement, donc... Assis, Rayure, Casquette, Assis, Chapeau, Étiquette. Assis, Bonaga ? Hein ? Ah, c'est pas Chapeau, il y a Étiquette, mais... C'est une médaille ? Non, c'est totalement une étiquette, il y a lui. Ils sont où les gens Bobby assis là? Mimi. Oh, un écureuil mignon. Allez. Très bien. Encore un clic totalement insensé. Ah putain. Au secours. Je clique partout. Ou sucou. Une boîte à outils, on s'en fiche, trefouchtre. Encore plus bas. Où sont les gens assis? Miaou. Miaou. Ah, le petit truc. Allez, la balle de... Non, mais la balle de golf. Mais mourez. Mourez, cher développeur. Je vais cliquer sur tous les gens assis au monde. Je cherche des gens assis, t'es assis. C'est assis ça? Mais d'où je les ai pas trouvés? Mais arrêtez, ils sont où? Il me faut 1, 2, 3 gens assis, pourquoi? Mais quoi, ma cravate? T'es totalement lui, tu es totalement la même personne. Tu mens avec ta bouche. T'es assis. Où sont les gens assis? Là. Non. Oh, c'est vrai qu'il y a des portes aussi sur les toits. Toi. Mais toi aussi, t'es totalement le même, là. Oh là 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 là, il y a trop de trucs sur cette map, ça abuse. C'est totalement la même personne. Hein. Sinon, il a des jumeaux maléfiques à partout dans la ville. C'est extrêmement bizarre. Cache.
Allez, Elif. Il y avait une nana à poil, je me rappelais. Cherche les gens assis. Pas de gens assis. Très bien. Il y a aussi une espèce de petite écolière, ouais, c'est ça. Un mec habillé tout en noir, il n'y en a pas beaucoup. Je devrais réussir à le trouver normalement. Des gens assis, une écolière, un mec habillé tout en noir. Bon. Is it possible? C'est lui. Les mecs, ils... Il y a un caractère design pour tous les persos, quoi. Je suis de mauvaise foi. Mais c'est chiant. Putain. Allez, boucle déménageur, bim. Donc une personne assise, deux personnes assises, une écolière. Attends, si je trouve ça, on se casse. Pas de gens ici, ici. Totalement. Mais c'est pas eux. Je sais pas ce que j'ai fait. Elle est où mon écolière? Oh là là, on est revenu tout en haut, putain, et je les ai pas trouvés. Comme ma vie est nulle. Mais où est-ce qu'ils sont planqués, sérieux? C'est une folie, cette histoire. J'ai pas mon écolière, ni mes deux jambobies. Il est là. Non. Il me casse les couilles, lui. Camionneur fou colle au pare-choc de... Quoi? Il y a des gens qui ont fait... On doit gauler dans les voitures? C'est une blague? On voit leur visage? Mais on voit pas du tout leur visage, comment? Mais non, mais s'il vous plaît. Y'a personne dedans. Il est là. Putain, les salauds. Salaud. Qui me manque un truc. Je voudrais essayer de trouver le mec habillé en noir. Il devrait taper à l'œil. Toute une majorité en blanc. Ou pas, en fait. Pas d'indice sur lui. Le kayakiste est de retour chez lui après un long voyage en kayak et voudrait simplement regarder la télé, mais arr, pas de signal. Il est où le kayakiste? Et la Jacqueline adore tellement le son de l'électricité. Ah bah elle est là, à côté de la borne électrique. Je suis contente! Ah putain, au secours! Allez, les ordures!
Denis a oublié ses affaires à l'arrêt de bus, mais pas d'inquiétude, il a un ticket retour. Il est en route. Est-ce que le bus va le déposer? On ne sait pas. Quel mendiant. Il y a d'autres gens là, si, non, sinon c'est que des gens debout. Le chef, il est là. Chef Gordon. Donc avec une coupe afro, avec une... Je ne sais pas ce que c'est. Oui. Bling. Ok, je vais ouvrir toutes les bouches d'aiguë. Très bien, je l'avais absolument pas vu. C'est parfait. Même un peu de chance dans mon malheur, hein. Un mec qui saute, salopette à rayures. Ok. Un mec avec un éclair sur le bidou. Il est là. Allez, si c'est une grande map, c'est fini. What the f... Ok. Je me casse. Est-ce que c'est sérieux? Non, mais... Non. Non. Voilà, hein. Non. Non, 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 non. Très bien. Putain. Ah oui, il y a totalement du taf, hein. Le mec, il s'est éclaté. Je veux dire, enfin, déjà pour les dessins, parce que bah, mine de rien, il y a quand même des trucs. Après, pour le bruitage, mais juste le bruitage, il a tout. Il a tout fait. Tout est fait, je veux dire, tout est fait à la main. Tout est fait à la bûche. C'est-tu des bruits de bûche? Il est trop bien, ce jeu. Du coup, c'était totalement... On va retourner au menu. Voilà. Donc c'est tous les... Ah bon, on était presque au dernier niveau. Ah non, on n'a pas fait neige tout ça. On est dans la ville là. Après il y a la neige, l'usine, la plage. Ils disent qu'il y en a à peu près pour 3 heures de jeu. Je pense que c'est totalement aléatoire vu que ça dépend si vous pétez un câble ou si vous êtes totalement avec des yeux bioniques. C'est... tendu du cul. Du coup, c'était Hidden Folk qui est sorti le 15 février 2017. Vous pouvez le trouver à un prix normal de 7,99 sur Steam. Je pense qu'il est trouvable moins cher. Mais vu le taf, moi, ça ne me choque pas particulièrement au niveau du prix. Au niveau des développeurs, il est développé par Adian Dejong et Sylvain Tegroeg, que j'écorche forcément, et édité par Adrien Dejong. Et c'est un jeu d'objets cachés de dépuzzlés qui pique les yeux. Voilou. Écoutez, c'était tout pour ce catalogue indé numéro 55. Comme je disais en début de live, je vais essayer de voir si on peut au moins la semaine prochaine finir pour la jam de l'avant. J'espère qu'il y aura plus de jeux. Apparemment, il y a eu quand même pas mal de désistements au niveau des développeurs. Après, je suppose qu'on n'a pas tous forcément le temps. Même si c'est des petits jeux, ça doit prendre du temps quand même à créer, donc je suppose qu'ils n'ont pas forcément tous le temps, mais voilà, en tout cas, bah écoutez, une bonne découverte. Mais pourquoi il y en a un qui est... Ah oui, on était sur celui-là, ouais, c'est ça.
On a le début de chaque, on a le premier de chaque niveau qui est débloquable en fait, enfin qui est déjà débloqué de base. J'ai les yeux qui me brûlent. Je vais aller les fermer un peu, hein. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau catalogue Andé.